La situation à notre niveau, ce n'est pas comme auparavant parce que nous sommes dans un secteur un peu difficile à gérer et quand même ils sont en train d'observer parce que nous avons beaucoup de revendications qui nous concernent et nos préoccupations ont été prises en compte. Donc nous sommes en train d'observer la grève. Bon, ceux qui n'ont pas compris, il faut qu'ils restent mobilisés parce que c'est dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs du Mali. Ce n'est pas un secteur spécifique, c'est tout le monde qui est concerné par cette grève. Si ça aboutit et tout le monde va bénéficier, il n'y aura pas de ségrégation. Qu'ils comprennent l'esprit de l'UNTM, ne fait pas attention à ce que les uns et les autres sont en train de dire pour nous dissuader, mais sûrement nous sommes en train de mener une lutte noble pour l'intérêt même de la nation. Pas 100% parce que nous sommes des structures d'hébergement, donc il y a des étrangers, le service minimum est observé. Le service minimum est observé, sinon nos doléances ont été prises en compte par rapport à cette situation spécifique au niveau de cette revendication.